Wesh les frérots, c'est Tonton Démonexion. On se retrouve aujourd'hui les mecs pour une nouvelle petite vidéo. Les gars, aujourd'hui ça va être une vidéo. Déjà il y a un nouveau décor déjà. C'est juste une table avec une nappe blanche, c'est pas trop un décor. Déjà la nappe blanche elle est plus belle que celui. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on avait pas fait d'activité manuelle. Les gars c'est une catastrophe. Yeah. Où c'est bon, on met la déchetterie. Pourquoi tu mettrais la déchetterie? Gommé, merci. Pour être beau gosse, t'as besoin de quoi pour la rentrée? Des habits. T'as besoin de quoi pour marcher par terre? Des chaussures. Exactement. Attends, je vais te montrer un truc, tu vas péter ton crâne. Donne-moi Ronaldinho. Tu vas péter ton crâne. Mais c'est quoi le rapport avec les chaussures? Je suis stylé maintenant. Faut être stylé, bah voilà, voilà. Mais gros, moi je t'ai parlé des chaussures, des paires de chaussures. Aujourd'hui les mecs, on va faire une vidéo custom sneakers. Ok, ça va être les mecs, c'est lui qui va faire la plus belle paire. Ça veut dire, tu peux faire ce que tu veux Nadine. On va voir tout ce qu'il faut spécialiser pour faire des custom sneakers. Oui. D'accord? Exactement. Excellent. Costumer des baskets. Exactement, on va costumer des baskets. Les gars, pour costumer des baskets, on va avoir l'aide du frérot Babiche. Babiche. Salut les gars, aujourd'hui j'ai un petit défi sneakers pour vous. Je voulais offrir une paire de sneakers customisés à l'un d'entre vous, mais c'était trop dur de choisir. Le défi est simple, vous allez faire chacun un custom et à la fin on jugera lequel a fait le plus beau. Celui qui fait le meilleur custom d'entre vous aura son custom offert. Babiche c'est qui? C'est un gars, il fait des customs sur Instagram, sur TikTok. Les gars, il fait des pépites, il fait des chaussures, mais il faut aussi des habits, il faut aussi des vestes. Il fait tout ce que vous voulez. Des vestes? Il régale. Ah, grâce à lui les mecs, on va avoir un tuto à suivre avec plein de conseils. Vous aurez juste à suivre ça à la lettre et ça va très bien se passer. Et il n'y a pas de thème, vous faites ce que vous voulez, faites des dingueries et on se revoit d'ici quelques jours pour juger de tout ça. Allez, ciao. Là, moi j'ai tout ce qu'il faut pour faire un custom. Ouais. C'est pas si facile que là, ça. T'as tous les produits que là. Gâche ton bras. Gâche ton bras. Pardon. Et au passage, le frérot Babiche, les gars, il nous régale. Il vous régale parce qu'il fait gagner une paire custom personnalisable. C'est vous qui décidez, les gars, ok, ce que vous voulez sur votre paire, votre pointure. Pour ça, il faut juste aller sur son Instagram, le dernier post, commenter. Et les gars, bonne chance pour la paire. Personnellement, moi j'ai 10 comptes. C'est-à-dire, mais 10 comptes. Moi aussi, hein, mais 10 comptes. Je vais mettre 50 comptes. Donc, t'as pas de téléphone. Vite, réfléchis. Réfléchis. Les téléphones de maman. Eh ouais. Vous allez choisir un thème dans votre tête, vous le gardez. Dragon Ball Z, manga, foot, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Ronaldo, tu peux pas Ronaldo. Je suis pas du Brésil. Moi, mais je peux faire la Coupe du Monde. Donc, si tu veux, mais pas du Brésil. Pas du Brésil. Ok. Bref, les refs, c'est parti. Exposez-moi les pouces bleus. On est bientôt au 400K. Let's go, baby. On commence avec le premier conseil du frérot Babi. Let's go. C'est parti. Bonne chance, les mecs. Wesh, Nicolas. Quoi, gros? C'est pas que vous me recopiez. Mais tu t'es dit le seul truc pour séparer, c'est des poubelles. Ouais. Tuto custom sneakers avec le professeur Babiche. T'as mis le kimono. Pour commencer, on va enlever les lacets pour pas faire de taches dessus. Nadim, t'as pas de lacets, c'est parfait. Rémi, t'as des lacets. Les lacets, vous les gardez de côté. Au moins, ça évitera de les tâcher. Quoi, on en a tant mieux. Mais tu sais pas faire tes lacets? Si. Tu sais faire tes lacets? Ouais. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, fais tes lacets. Pas mal. Je redis ce que je dis. Ça se tient, tu m'as bavé sur la main. Ah. Dégueulasse. Étape 2. Étape numéro 2, il va falloir enlever le vernis d'usine. Ils mettent systématiquement un vernis sur la paire pour protéger la peinture et on peut pas peindre directement sur ce vernis. Donc il va falloir l'enlever. Vous avez compris, mec? Il y a plusieurs décapants qui existent, mais c'est vrai que l'acétone ça fonctionne très bien. Donc très simple, vous imbibez votre coton d'acétone et on va venir frotter les parties que vous allez peindre plus tard. Faut pas hésiter, faut y aller franco. Et vous allez vite voir que votre vernis disparaît parce que la brillance elle disparaît aussi. Enlevez loin des enfants. Si vous avez entre 8 et 9 ans, vous pouvez vous faire perdre un ongle. Avoid frequent or prolonged contact with skin if your name is Nadim. Montre. Nadim is adopted. Danger, c'est extrême. Go sleep. Faut que t'ailles dormir. Prendre du coton et faut mettre partout comme ça. Prends des gants. Moi j'ai pris un chiffon pour laver les voitures, je sais pas c'est quoi. Faut y aller. Faut bien frotter. Waouh, ça m'attaque le nez là. Faut un... Vous
ai ramené du coton. Et gros, ma terre, elle devient jaune. Arrête, c'est le truc qui est en train de... Ah. Mais gros, t'as pas commencé, t'as déjà flingué la paire, frère. Pourquoi t'as des pinces crocodiles? Pour 5 euros, je bois tout le flacon. Arrête toi. Mais dis-moi, pourquoi t'as des pinces crocodiles? Les gars, on a pas commencé, vous avez déjà pourri une paire et toi tu fais n'importe quoi. Poupi, 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 poupi. Mets-moi de l'alcool. What? Les gars, hop, comme à ça. À consommer, les gars. Boire de l'acétone, c'est à consommer avec modération. Non, tu peux en mourir, frère. Wouah! Ça brûle, hein? Ouvre la fenêtre, Nadim, ouvre la fenêtre. Nadim, fais gaffe! Non, ça... Moi les gars, je pense que c'est bien imbibé. Une fois que les zones que vous allez peindre, elles vous paraissent bien mates, on peut attaquer la peinture. Moi c'est carré les mecs. Fais la paire de Nadim quand même, on va éviter que Nadim touche de l'acétone, on sait jamais. Attends, au moins il se pourrait être l'acétone sur le slip. Hey! C'est quoi ça? Tu vois bien que... Ça me protège où? Ça brûle! Ça brûle Nadim! Bon les mecs, l'acétone est mis, on passe à l'étape 2, c'est bon? Je vais jeter ça à la poubelle et c'est parti. Ah! Maintenant que votre paire est prête, vous pouvez dessiner directement dessus. Vous prenez un crayon de papier et vous commencez à poser vos dessins. Mais vous n'avez pas besoin de crayon de papier. Si vous ne vous sentez pas de dessiner directement au crayon de papier sur la paire, ce que je vous conseille, c'est de poser un scotch sur l'endroit où vous allez dessiner et de dessiner directement sur le scotch. Oh, la technique de fou! Ça peut faire le job si le dessin est un peu compliqué. Après, vous aurez juste à redécouper les parties que vous souhaitez peindre avec un petit scalpel ou un petit cutter si vous avez ça à la maison. Les mecs, c'est le moment de dessin. Nadim. Les mecs, il faut savoir que Nadim est un grand dessinateur avec attends, du crayon de papier. Attends, on regarde où là? Les deux ou les une? Hein? On regarde comme ça. Les deux caméras? Faut que t'arrives à un œil. Un œil à droite. Un œil à droite et l'autre à gauche, essaye. Moi j'arrive un peu comme vas-y. Ça. Vas-y. Tu arrives ou pas? Si arrive pas, ça veut dire que t'es peut-être adopté. Hein. Ouais. J'ai réussi. Ah c'est bon, il l'a pas. C'est bon. Heureusement. Ok. Mec, je vais te montrer mes derniers dessins. Vas-y, régale-nous. Vas-y, c'est bon. Magnifique dessin, les mecs. Il y a Madaron, il y a Ace au point brûlant, il y a Maruto, Kakashi. C'est parti, les mecs. Let's go. Déjà, j'ai essayé de faire un dessin, j'ai pas réussi. En fait, je sais absolument pas quoi faire, les mecs. Il me fait une règle. Est-ce qu'on peut prendre notre téléphone? Oui, prends ton téléphone. Alors moi, voilà, dingue. Non mais mon dessin, il va être incroyable. Oh là là, mon dessin. Faut pas que vous me recopiez. Oh là là, les gars, je vais faire un de ces dessins, moi aussi, laisse tomber. Faut pas que vous me recopiez. Celui qui a pas d'idée, là, il est tellement mort. Celui qui a pas d'idée, les gars, il est vraiment dans le caca. Ouais. Mais j'aurais pas être à sa place. Moi, je pense que Rémi l'a fait un éclair. Bah, t'as pas trop regardé, ça va. T'as deviné, je pense. Ouais. Tu peux prendre le téléphone de maman, comme ça, t'as un exemple. Non, je le fais tout seul. Voilà, comme un bonheur. Le dessin, déjà, il faut faire tout seul. Bah, débrouille-toi. Alors. Ouais, bah, arrête de me recopier, alors. Non, je te recopie pas. Non mais oh franchement. Moi je vais aller prendre le téléphone de maman. Comme vous, parce que vous avez un téléphone. Il a vite cherché. Celui qui a toujours pas commencé, je sais pas comment il va faire. De ouf, Rémi, celui qui a pas commencé. J'aimerais pas être à la place de celui qui a pas commencé. C'est vrai pas ouais. T'as déjà une idée là ou pas? Non. Si j'y arrive les gars, regardez, j'adore ce personnage, mais je vais essayer. Je sais pas si y en a, ils vont commencer à reconnaître là. Claqué au sol. Mais moi ça commence déjà à être une dinguerie personnellement. On a mis des cotons-tiges pour pas qu'on triche. Rémi, premier degré, tu l'écoutes pas sinon, ok? Ouais. Les mecs, normalement en vrai de vrai, je pense que vous avez voté pour moi tellement c'est une dinguerie. Alors ma première paire de sneakers, c'est déjà faite. Ouais, c'est nul. Pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien fait. Ça c'est fait, donc ça c'est fait. Moi pour montrer qu'il faut de la... Il faut de suprême. Quoi? Mais là, il regarde les TikTok là. Je kiffe ce personnage, c'est un des personnages de films préférés. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Bon, les mecs, moi j'ai fini, je prends mon goûter. Hein? J'ai fini de dessiner là. C'est good pour Rémi, il reste plus que Nadim et moi. Tu t'en sors Nadim? Hein? Oui. Pourquoi t'as agacé comme ça là? Juste toi, tu m'énerves. Je suis pas trop mal, les gars. Ok, j'aime bien. Et le mec, je vais dessiner une sneakers sur une sneakers. What? Ça doit être bien. Comment dessiner une sneakers? Comment dessiner des sneakers? Comment dessiner une panda? Comment dessiner une sneakers panda? Comment dessiner une sneakers panda? Et mec, tellement ça va être beau, je pense que je pourrais la vendre au moins à 500 millions d'euros. Combien? Tu dessines une paire de chaussures sur ta chaussure. Là, on va passer au plus dur, ça va être la tête. Pour la tête, les mecs, je pense que je vais faire directement la peinture. J'ai pas besoin de faire le crayon de papier. Comment dessiner Ace? Mais Nadim, en fait, tu crois que c'est un cahier de brouillon? Tu vas faire 40 dessins? Si. Bon, les mecs, j'ai la meilleure idée. Si, j'ai déjà fait Nike. Ici, je vais faire Adidas. Ici, je vais faire Gucci. La meilleure idée pour gagner une paire. C'est pas ouf, hein, quand même. Le mec, regardez, c'est beau, j'ai écrit. Bon, je vais aller prendre mon goûter. C'est le moment de faire ce qu'on appelle les aplats. En gros, on va appliquer la
la peinture, couleur par couleur, couche par couche. Le nombre de couches, ça dépend des coloris. Parfois, il en faut qu'une et parfois, il en faut plusieurs. Nadim, il te reste encore des chips sur le coin de la bouche. Un autre petit conseil, c'est de ne pas mettre trop de peinture d'un coup. Il vaut mieux faire plusieurs couches avec moins de matière que d'essayer de mettre trop de matière d'un coup. Pour les couleurs, faut pas hésiter à faire des mélanges. T'as compris ? Déjà, je fais une couleur, après, je refais une couleur, après, je refais une couleur. Une fois que vous êtes satisfait de vos couleurs, il reste juste à faire les lignes en noir, les traits, si vous avez besoin de les faire. Une fois que les traits noirs sont finis, ben, vous avez terminé. Donc, ça veut dire, on met la couleur au début et le noir à la fin. C'est parti, les mecs, on met les couleurs. Moi, ma peinture, elle va être essentiellement faite de blanc. Oui, j'ai cassé le pinceau. Que du noir et du rouge. Donc, finalement, je passais directement au noir et rouge. C'est pas ça, je dois dessiner. Oui, je sais pas colorier, moi. Je vais commencer par l'écriture, les mecs. Faut s'appliquer, les gars, c'est compliqué. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Sans petit pinceau, les gars, c'est impossible. Ouais, faut bien s'appliquer, les gars. Ça, c'est mon cercle. Tout en hey les gars, moi je vous le dirais que mon objectif c'est de pouvoir la mettre dans la rue hein. C'est genre tellement ça, elle tue éclairs, ça. Rémi, espèce de chien, un éclair c'est bleu. Du coup, j'avais fait en noir. Mais un éclair c'est pas noir. Le dessin le plus moche il passe une nuit dans la cabane de Nadim. Comme ça on s'applique. Les gars, je suis assez content du rendu. Moi je suis assez content aussi. C'est giga nul. C'est tu les mecs. What? Ouais, tu t'appliques de fou. Les mecs, je crois que je suis en train de me découvrir une nouvelle passion. Je vais le faire plus souvent, je crois. Je suis en train de me découvrir une passion que je vais plus jamais refaire. De faire fort. Non, mon pull. Chier. Oh, en plus, t'as à peu près 3 pulls dans ta vie. Hein. Essaye de chat ou le pull de Rémi. Facile ou pépéro. Là, les gars, mon objectif, moi, c'est de peindre toute ma chaussure en noir. Moi, ma peinture, elle va être essentiellement faite de blanc. Rémi va passer d'une paire blanche à une paire noire. Nadim, ça dit quoi? Le perdant, les mecs, dort dans la cabane de Nadim avec la paire. Rémi, t'es en train de peindre un mur ou une paire? Je l'ai fait gagner hein, d'ailleurs, ce qu'il avait l'a fait gagner. Assez content de ma paire. Là, on va passer au coup d'espèce de peinture un peu plein de petites taches noires un peu partout les mecs. C'est parti. Je viens de faire mon premier beau dessin. J'ai fini. Les mecs, j'ai fini. Bon, je vais aller manger pizza. Ok, bon, les mecs, ma première paire, elle est terminée. Je passe à la deuxième. On est sur le visage. Donc, en gros, ma paire, elle va jouer sur le visage. Oh, les gars, comme vous savez, Nadim, il est parti. On n'a jamais dit que t'avais pas le droit. Toi, t'es vraiment un chien. Tu l'as fait un sboob. T'es vraiment un enfant, gros. Mais c'est une dinguerie, gros. Et bah, moi, je suis heureux de te dire que j'ai fini ma paire de chaussures. Alors, il restera évidemment une étape. C'est l'étape du vernissage. Il y a besoin de revernir la paire maintenant que vous avez peint pour la protéger pour plus tard contre l'eau, contre les frottements, contre les dégradations, la poussière, etc. Avant cette étape-là, je vous montre juste comment teindre des lacets. Il faut mélanger un petit volume de peinture dans un grand volume d'eau. Si vous êtes chaud, vous pouvez même tenter avec du café ou avec de la betterave. Ça fait des super colorants. Et bah, voilà, je pense que c'était la dernière étape. On a fait le tour. N'oubliez pas de protéger vos paires en appliquant le vernis avec un gros pinceau. Et maintenant, j'ai trop hâte de voir vos créations. Et on verra bientôt si les élèves ont dépassé le maître. Allez, ciao. Je vais rajouter même des détails. Je vais mettre mes lacets. Ouais. Il me reste les yeux à faire. Je te laisse faire les yeux. Faut vite que je parte, gros. J'ai une urgence. Vite. Je te fais confiance. Il faut que tu me termines les yeux. L'espèce de vague autour noir. C'est bon. Je te fais confiance, gros. Ok. Je te fais confiance. Vas-y, go. Ça va. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Est-ce que je suis obligé de m'appliquer? Telle est la question. Par contre, les gars, entre nous, votez démo. Je vous en supplie, votez démo. Depuis le début, il a pas fait un truc tout seul. C'est tout le temps moi, Nadim ou Zizou. Si, je vous en supplie, votez démo. Je peux pas faire mieux, il est incroyable. Votez démo. Bon, les mecs, on arrive à la fin de la vidéo. Nadim, il a de la peinture sur le cou. Rémi, il a bousillé son t-shirt. J'en ai qu'un. Rémi, montre-nous, s'il te plaît, ta paire et ton projet. Déjà, noir. Vous, elle est que couleur blanche. Moi, j'ai changé un peu. On voit les éclairs bleu et blanc. Ici, des éclairs jaunes. Ouais, ça pue. Et là, j'ai représenté encore des éclairs. Si la nuit il se promène avec ça et il pleut et il y a des orages, je pense qu'il va se faire électrocuter. Je mets 1,5 sur 10. 0,1001. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Pour ma paire, les frérots, donc voilà, ça c'est moi qui l'a fait. Le Why So Serious du Joker, tout le monde le connaît, les gars. Je suis content. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais. Voilà. Rémi, forcément, je laisse, les mecs. Il a bousillé la paire, il a écrit Rémi. Ah, bah, ça, mais c'est ma paire, du coup. La deuxième, j'ai pas eu le temps de la finir. J'ai laissé Rémi finir les yeux. En vrai, de vrai, sur celle-là, je trouve que je t'ai appliqué. J'ai fait une meilleure paire sur la team que la mienne. Ouais, totalement. En vrai, ça va. Donc, les mecs, en vrai, de vrai, sur celle-là, je mets 4. On est d'accord, 4, pas plus. Je suis sûr, avec un peu d'entraînement, je peux faire un truc BG. C'est ma paire qu'on t'a écrit le sport. Quoi? C'est ma paire, Rémi, mais tu es saoul, Rémi, t'abuses. Non. T'as pas le droit, Nadim, t'es disqualifié. Il a fait un zboob, les mecs. Les mecs, on a fait disparaître un zboob. Et malheureusement, il y en a un deuxième. Oh, c'est pas grave. Un deuxième zboob apparaît. Là, je suis représenté par le thème des marques, de Primark, Gucci. Oh. Il est tout en Gucci. Gucci. Le petit logo Adidas. Le petit logo Adidas. Ensuite. Et le petit carré pour dire que c'est carré la paire. Il a fait le signe de Mike.
Gainsbourg. Oh, la deuxième paire, Nadine. Je vous présente la paire de Michael Jackson. Michael Smoothie ressemble à ça. La petite. Ouais. Ensuite, ici. Gainsbourg. Encore. Mais ouais. Il a fait des zbous partout. Est-ce qu'on valide le tuto de Babiche? Ouais, Babiche la biche. Babiche la biche. On valide le tuto de Babiche la biche. Les trois paires sont devant vous. C'est à vous maintenant de décider les refs dans les commentaires et sur Instagram. Okay. Il y en a une qui ressort du lot. Le frérot Babiche. Non, c'est Babiche la biche. Babiche la biche qui va aussi juger les mecs. Quelle est la plus belle paire et à qui il décide de faire gagner sa paire. Et vous les frérots de votre côté, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram du frérot, ok? Le dernier post pour essayer de gagner votre paire custom à votre pointure, bien évidemment. Oh, attends, il y a encore un zbou. Il y a encore un zbou, casse. Et on se revoit très vite pour des petites vidéos. Ciao les mecs. Gentil.